Mesdames et messieurs, bonsoir. La CNPS à votre service vous ouvre les portes de l'institution depuis Dembokro. Dembokro, où l'agence de Yamoussoukro a ouvert un bureau périodique. Qu'est-ce que c'est qu'un bureau périodique? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, les réponses avec le directeur de l'agence de Yamoussoukro, M. Ngueta Jean-Baptiste. La politique de proximité que prône le directeur général prend fait dans un bureau périodique. Le bureau périodique, c'est la CNPS qui s'installe dans une ville où il n'existe pas une agence pour mener les activités qu'elle mène habituellement dans une agence. Ça veut dire que nous sommes très proches de nos assurés et de nos partenaires. Nous sommes là pour résoudre aussi les problèmes de tous les travailleurs, chercher à savoir si ces travailleurs sont déclarés à la CNPS. Et donc, nous sommes là aussi pour les employeurs qui ont besoin d'informations sur leur situation cotisante et tout ça. Merci, M. Ngueta. Tout de suite, c'est dans le micro à Sita, qui est sur le pont ferroviaire du Nzi, où elle nous dessine la carte postale de la ville de Dembokro. Dembokro est une ville située à 240 km d'Abidjan, au centre-est de la Côte d'Ivoire. C'est le chef-lieu de la région du Nzi, un pays baoulé, avec une population de plus de 60 000 habitants. Population très chaleureuse et très accueillante. Présentement, nous sommes sur le pont ferroviaire qui a été créé, qui a été bâti en 1908. Nous avons le passage sur ce pont du train et le passage des hommes. Des hommes à moto, des hommes à bicyclette en provenance des plantations avec les produits vivriers. Une partie de ce produit vivrier est vendue sous le pont ferroviaire. Mercredi est le jour du marché de la ville de Dembokro. Il faut rappeler que dans la ville de Dembokro, toutes les administrations publiques sont présentes. Merci Sita pour ces belles images qui nous présentent les points clés de la ville de Dembokro. Dembokro, il faut le rappeler, a écrit de grandes pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire, notamment avec la prison des hommes politiques, le monument des martyrs et puis également la naissance d'illustres personnalités. Et oui, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est né à Dembokro. C'était le 1er janvier 1942. Et puis également Alpha Blondie, le reggaeman international de la Côte d'Ivoire, lui aussi est né à Dembokro. Revenons à la sécurité sociale, toujours avec Sita, qui a suivi la conférence animée par le directeur de l'agence de Yamoussoukro, conférence à l'endroit des populations de cette ville. Une conférence vient de se tenir dans la salle qui est juste derrière moi sur le thème « Mieux connaître la CNPS, son fonctionnement, ses activités ». Et cette conférence a été prononcée par M. Ngueta Jean-Baptiste, qui est le directeur de l'agence CNPS de Yamoussoukro à la mairie de Dembokro. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'ouverture du bureau périodique de l'agence CNPS de Yamoussoukro dans la ville de Dembokro. Objectif: sensibiliser les employeurs sur leurs obligations vis-à-vis de leurs employés relativement à leur déclaration à la CNPS, informer les employés sur leurs droits en tant que travailleurs. Étaient présents à cette conférence les hautes autorités de la ville qui ont toutes salué cette action et encouragé la CNPS à renouveler ce genre d'initiative. La CNPS vient à nous aujourd'hui, c'est dû que c'est une aubaine à saisir et nous voudrions vraiment saluer les responsables de la CNPS pour être venu à nous ce jour. Les employeurs doivent considérer la CNPS comme un partenaire privilégié qu'il faut approcher, un conseil pour le bon fonctionnement, la bonne marche de leur entreprise. La plupart de ces retraités dans les villages se sont déplacés massivement afin de pouvoir
être imprégné des bienfaits de la CNPS en Côte d'Ivoire. L'implication des autorités politiques et administratives que l'on a pu constater dans ce reportage montre bien l'engagement de l'État, l'engagement fort de l'État pour la protection sociale des populations. Au cours de cette mission, l'agence de Yamoussoukro est allée à la rencontre des populations jusque dans leur domicile. Mercredi matin, 8h, Madame Noufé Claudine, chef de section prestations à l'agence de Yamoussoukro, frappe à la porte de Monsieur Bamba Seydou. Comme à l'accoutumée, la porte lui est grandement ouverte et l'accueil très chaleureux. Monsieur Bamba Seydou, père de 4 enfants, est à la retraite depuis 1997. Il était ambulancier à l'hôpital de Dembokro. Aujourd'hui, il a du mal à se déplacer et il est malvoyant et souffre des pieds. L'accueil de Madame Noufé est toujours très heureux car elle leur apporte à lui et à sa famille de la chaleur humaine et les soulage d'un déplacement souvent coûteux et pénible. Par le passé, c'était difficile. Quand il s'agit du ramassage des certificats de vie, elle était obligée de louer une voiture avec le vieux, aller à Yamoussoukro. Mais depuis que la CNPS a décidé de se rapprocher de ses assurés, ils n'ont plus de difficultés. La paye se fait normalement puisqu'elle a une procuration pour le recueil des certificats de vie. À tout moment, la CNPS les prévient et à la date indiquée, ils se déplacent, ils viennent jusqu'à la maison ici. Elle est vraiment soulagée par ce système que la CNPS a mis en place maintenant. Tout comme Bamba Seydou, M. Alani Kwaku, âgé de 90 ans, a reçu ce jour la visite de Mme Noufé Claudine. Alani Kwaku était gardien à la RTI. Il est à la retraite depuis 1985. Lui aussi, affaibli par l'âge, a du mal à se déplacer. Ces rencontres s'organisent avec M. Savadogo Draman, point focal de la CNPS à Dembokro. On va à domicile, on voit les malades et on avertit la CNPS. Et quand ils arrivent, surtout pour le recueil des certificats de vie, quelle que soit la distance, la CNPS se déplace jusqu'au chevet des malades et va recueillir les certificats de vie. Alani Kwaku et Bamba Seydou reçoivent la visite de la CNPS depuis 2010. Madame Noufé, en 4 jours, devra visiter les 41 personnes inscrites dans son registre. Une action qui parle d'elle-même. Je suis avec le directeur de l'agence de Yamoussoukro, M. Ngueta. Bonsoir, M. Ngueta. Bonsoir, et puis merci pour ces assurés sociaux que vous allez voir jusque dans leur domicile. Merci également à toutes les agences de la CNPS qui font le déplacement jusque dans les domiciles des accidentés du travail, des retraités qui ne peuvent pas se déplacer. Dites-nous, M. Ngueta, pour bénéficier de cette prestation, que faut-il faire? Comment vous joindre? Pour bénéficier de ces prestations, il suffit tout simplement que les parents de ces personnes affaiblies nous saisissent et pour que nous puissions nous déplacer vers elles et cueillir leur certificat de vie pour maintenir leur droit à la CNPS. Il y a des assurés sociaux parfois qui sont dans des maisons mais qui ne peuvent pas bénéficier de leurs prestations parce qu'on ignore leur existence. Tout à fait, tout à fait. Mais évidemment, tant que nous n'avons pas le certificat de vie qui maintiennent leurs droits, nous ne pouvons pas, nous sommes obligés de suspendre leur pension. Il suffit que les parents nous saisissent pour que nous puissions aller vers ces personnes et recueillir les certificats de vie pour maintenir leurs droits. Parlez-nous un peu de vos partenaires sociaux ici à Dembokro, les travailleurs, les employeurs. C'est très régulièrement que nous sommes à Dembokro pour des missions de recouvrement et de prestations. Et souvent, nous sommes saisis des conflits entre employeurs et travailleurs. Lorsque nous sommes saisis, nous apportons une solution à ces différents conflits-là. Quel type de conflit? Des salariés qui ne sont pas déclarés et qui demandent que leur employeur les déclare. Nous avons le contrôleur pour effectuer des contrôles et régulariser la situation de ces travailleurs-là. Alors, 4 jours passés à Dembokro, vous réussissez à résoudre suffisamment de problèmes? Ça a été une occasion pour toute la population de Dembokro
voir les personnes qui sont arrivées, nous pouvons penser que la population a bénéficié de ces 4 jours pour pouvoir poser ses problèmes et chercher des solutions. Combien d'employeurs dans votre portefeuille? Combien de travailleurs à Dembokro? Ici à Dembokro, nous avons environ 72 employeurs pour 467 travailleurs. Outre Dembokro, quelles sont les autres villes qui sont sous votre compétence géographique? Alors, la zone de compétence de Yamoussoukro s'étend de Kokumbo, Tiekanou, Toumodi, Dembokro, Bukanda, Tidievi, Tiebissou et évidemment Yamoussoukro. Quel message à l'endroit de toutes ces populations? À tous les employeurs qui ne sont pas encore connus à la CNPS, nous leur demandons de venir vers la CNPS pour déclarer leur entreprise, déclarer les travailleurs qui y sont. À tous les travailleurs qui savent qu'ils ne sont pas encore déclarés, la CNPS est là pour régler leurs problèmes, qui viennent et s'adresser à la CNPS pour qu'on puisse régler effectivement ces problèmes. Nous voulons saluer tous nos assurés, tous nos accidentés et qui chaque jour viennent à la CNPS pour les paiements ou pour les solutions à trouver aux problèmes qu'ils nous posent. Merci, Monsieur Nguetta. Merci, Madame. Nous retrouvons à présent Sita pour un clin d'œil aux employeurs. Vous devinez bien, il s'agit du rappel du paiement des cotisations sociales. La Direction générale de la CNPS rappelle que conformément à la législation en vigueur, les cotisations sociales doivent être payées au plus tard le 15 du mois suivant la période échue. Pour toute information complémentaire, priez, contactez les agences de la CNPS ou appelez le 20 25 16 66. Merci Sita. De ce bureau périodique, retenons que la CNPS s'engage encore plus pour vous. Merci Monsieur Nguetta. Merci Madame. Prochain rendez-vous dimanche après le journal télévisé de 13h. À bientôt.